C'est interdit de parler des paroles qui ne sont pas reliées à ton but. Au but. Takhlit. C'est-à-dire, est-ce que maintenant ce que je suis en train de dire, est-ce que c'est relié à ma mission sur cette terre? Est-ce que ce que je dis, est-ce que c'est relié? Est-ce que c'est une parole qui est positive? Est-ce que c'est une parole qui est une mitzvah? C'est interdit toutes les paroles qui ne sont pas reliées, qui servent à rien, les paroles vaines, les paroles inutiles, les paroles. Alors, mais attention, tu rends le moral à quelqu'un en disant mais non, mais ton travail il est bien fait, etc. C'est le but. Tu renforces la personne qui est en face de toi. Tu dis des paroles pour donner de la force aux gens, pour donner de la émouna aux gens. Pour... C'est pas compliqué. Le but de ce monde, si vous voulez savoir c'est quoi les paroles qui sont liées au but, c'est très simple. Nous dit Rabbi Shimon Bar Yochai que le but de l'humanité tout entière, c'est quoi? C'est de croire en Dieu. D'avoir foi en Dieu. Donc toutes les paroles que tu vas dire, pour que les autres aient foi en Dieu, pour que toi t'aies foi en Dieu, c'est des paroles qui sont liées au but. Toutes les autres paroles que tu vas pouvoir dire, qui sont pas reliées à ça, sont en dehors. Tu sors du contexte.